C'était où cette chanson? Mais... J'ai jamais vu ma mère aussi énervée que ça. Tu t'es pas regardée? T'es pire qu'elle. Comment ça? Ça fait des semaines que tu me parles de ton ami Bogdan. Hein? Bogdan, ton ami roumain. Ça y est, les enfants, je l'ai trouvé, venez vite! Oh, comment allez-vous, chère amie? Très bien. Oh, Arthur, Bogdan. Bogdan, je te présente ma meilleure amie. Andrea Maria. Bonjour, Andrea. Arthur m'a souvent parlé de toi dans ses lettres. J'ai presque l'impression de te connaître. Ah ouais? Ben, je veux dire... moi aussi, Arthur m'a beaucoup parlé de toi. C'est ça, c'est le père de Bogdan, Anatole Tanassi. Un vieil ami et un grand chef d'orchestre. Oh, mais ne restez pas là! Entrez, entrez! Très bien, Arthur. C'est l'affiche de son prochain concert. D'ailleurs, vous y êtes tous invités. Ça va être la première fois que je vais aller à un concert avec un vrai orchestre. Si tu veux, je peux te faire visiter les coulisses. Ça va être super. Ben, si tu veux, je peux arriver un peu plus tôt. Puis après, on ira rejoindre Arthur et sa mère pour le concert. Vous pourrez quand même donner le concert? Bien sûr, ce n'est qu'une légère blessure. Vous n'avez pas l'air de prendre cette agression-là très au sérieux, M. Tanassi. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Vous savez, en Roumanie, j'ai longtemps lutté contre la dictature. Je me suis fait beaucoup d'ennemis, il reste encore même à l'étranger. Soyez assurés que nous ferons l'impossible pour retrouver l'agresseur. Merci beaucoup. Et maintenant, excusez-moi. T'en fais pas, je suis sûre qu'ils vont retrouver le coupable. Qu'est-ce que vous faites là? Bogdan! C'est mon fils. Tate, tu es un temple. Oui, mais Bogdan. Je suis désolée, mais faites-moi confiance et lui y arrivera plus rien. À bientôt. Non, c'est grave. Inspecteur Rolo s'est occupé de moi. Allons, allons, ne faites pas cette tête-là. C'est juste un voyou qui m'a coincé la main dans une porte tournante et qui n'a pas pris le temps de s'excuser. Hein? Monsieur Tanassi, est-ce que Bogdan peut toujours aller coucher chez Arthur ce soir? Sa mère nous amène à un encan demain. Un encan? Mais c'est une excellente idée. Vous savez que c'est comme ça que j'ai rencontré la mère d'Arthur. Ben, elle m'a parlé d'une chanteuse d'opéra que vous avez connue, Esther Gassinovitch. Ah oui. Elle est morte il y a quelques semaines, puis ses biens vont être vendus aux enchères. Esther Gassinovitch morte. Tu as connu ce papa? Oui. Bon, maintenant, les enfants, allez-y. Le concert va bientôt commencer. Allez, allez, vite, 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 allez. Elle devait être riche, la Gassinovitch. Oh oui. C'était une des plus grandes chanteuses d'opéra avant la Deuxième Guerre mondiale. Une vraie légende. Vous voyez cette broche-là? C'est le prince Karl, un de ses admirateurs, qui lui a offert. Et il a fait fabriquer pour elle
une parure composée de 5 bijoux différents représentant son animal favori, le léopard. Alors, il y a cette broche, il y avait aussi un diadème, un collier, des boucles d'oreilles et une bague. Chaque bijou était serti d'une ou de plusieurs opales. Malheureusement, cette broche est le seul bijou qui lui restait de cette parure. Certains collectionneurs l'ont même surnommée la parure maudite. Maudite? On dit que les opales ne portent pas chance. C'est une légende, mais Esther y croyait. On raconte même que le prince a été assassiné le soir où il lui a donné cette parure. Et que quelques jours après, la guerre éclatait. Messieurs, dames, si vous voulez bien vous approcher, nous allons maintenant procéder aux enchères numéro 1 de l'encamp. Voici la pièce numéro 1 de l'encan, une magnifique peau de léopard. Ah bah, les tueurs d'animaux! C'est épouvantable, c'est un scandale. S'il vous plaît, un peu de calme, je vous en prie. Le léopard est une espèce menacée. Chasser ces animaux est maintenant interdit. Je comprends votre réaction, mais ce léopard a été chassé à une époque où les lois le permettaient. J'appelle la première offre, s'il vous plaît. Eh bien? Aucune offre? Personne n'est intéressé? Allons, messieurs, dames, un petit effort pour une des reliques préférées de la grande cantatrice. $5? Sur Lancelot, assieds-toi, tu vas me faire mourir de honte. $5 du jeune monsieur Lancelot, ici en avant. Est-ce que j'ai une autre offre pour cette magnifique peau de léopard ayant appartenu à une de nos plus grandes cantatrices? $5 une fois. $5 deux fois. $5. Trois fois. La prochaine pièce est cette somptueuse broche, ornée d'une opale de grande valeur. Pour cet objet magnifique, les enchères débuteront à $1,000. J'offre $1,000. $1,000. J'offre $5,000. $5,000. $25,000. $25,000 une fois. $25,000 deux fois. $25,000, trois fois. Adjugé à Madame Anderson. Oh, papa, tu devineras jamais ce qu'Arthur s'est acheté à l'enfant. Oh là là, quel regard féroce! Alors, vous vous êtes bien amusé. J'ai pas trouvé grand-chose d'intéressant pour la boutique. Madame Gassinovitch n'avait plus d'objets de grande valeur. Sauf les opales. Oh, pardonnez-moi. C'est plutôt cavalier de ma part de m'imposer aussi brusquement. Je me présente. Jean Beauharnais. J'ai une passion pour les opales et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer la vôtre, mon cher monsieur. Vous avez raison, c'est bien une opale. Elle est magnifique.
Quel dommage, cette malédiction sur les opales. Mais voyons, monsieur, j'espère que vous ne croyez pas à toutes ces histoires. Elles sont fondées, ma chère madame. Depuis le début des temps, les opales ont porté malheur aux grands de ce monde. Les tsars, les rois, les princes, les empereurs. Heureusement que mon père n'est qu'un musicien. Oui, sans doute. Cher monsieur, pardonnez mon impertinence, mais cette bague, consentiriez-vous à me la vendre? C'est plus fort que moi. Malgré la malédiction, j'adore les opales. Vous la vendre? Impossible, monsieur. Cette bague est un souvenir de famille. Jamais je ne m'en séparerai. Bien sûr, je comprends. Dommage. Au revoir, madame. Monsieur. Au revoir, les enfants. Au revoir, les enfants. Quel dommage, cette malédiction sur les opales. Depuis le début des temps, les opales ont porté malheur aux grands de ce monde. Les tsars, les rois, les princes, les empereurs, cette bague. Consentiriez-vous à me la vendre? Consentiriez-vous à me la vendre? Consentiriez-vous à me la vendre? À le sujet, à madame Anderson.